C'est important qu'il ait les pieds sur la terre. Le contact nécessaire avec le contact de ses amis. Qu'il pense avec ses pieds. Avec misma, s'il est plus. Qu'il ait son marin comme le cerveau du déplacement. A opravdu mal své hada jako mozek pohybu, přemyslívání. L'expiration est dans le hara et entre les jambes. Výdech do hara mezi nohama a zemi. La partie haute est souple. A vrchní část těla je pružná. Et elle protège cette ligne. Chrání vlastně tu linii. Contact l'eau, c'est l'air et c'est le feu. Contact l'eau, il y a voilà, vzduch. Le rôle le plus important, c'est le feu. Důležitá, důležitější s tebou je le contact l'eau. Faire tomber quelqu'un, c'est facile. Partner může být kdokoliv. Ty se to nerozuměla, že partner to má o mnoho jednodušší. Protože mám to jednodušší v tom, že to je jednoduché někoho povalit. Takže pokud nechá ruce takto, teď je myšlen na tu levou. Jeho. Je nécessaire, že je spirál na tu sens. Je potřeba, aby udělal spirálu na druhou stranu. A já si ji končím. Vidíte tu ruku? Je musel. Pořád ji drží. Skočím na čtyři jako kočka. C'est souple. Nahoře je to opravdu volné, družné. C'est souple et puissant. A velice mocné dolů. Même si je suis tenu ici, i když jsem tady zachycen, je suis toujours sur mon ventre. Pořád jsem přítomen.
Voilà, il fait le mouvement. Hop, ici. Mais finalement, si je pivote. Nakonec bych běh vlastně se otočil. Si mohl kývět, já bych mohl. Nakonec změním roli. Se roli je très important. Tato role kontaktova je velice důležitá. Parce que c'est le rôle de la vie quotidienne. Protože to je role z našeho běžného života. Créer des vraies relations. Vytvářit opravdový vztah. Avec l'autre. S druhým. Construire un projet. Vytváří nějaký, něco vytváří. Ne pas être prisonnier. A není uvězněn. Toujours libre, deux personnes libres, je suis libre. Pořád jsou obě osoby ve vztahu svobodné. 1 plus 1 égale 3. A 1 plus ten druhý znamená 3. 1 plus 1 égale 3. Jeden plus ten druhý znamená tři. Ici, là. 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 Vous voyez, mes pieds ont été placés sur le sol. Vidíte, chodidla jsou skutečně v kontaktu se zemí, pokládá na zemí. Mais je ne touche pas le sol. Mé kolena se nedotýkají země. Je suis dans mon aura, autour de mon aura. Jsem všude v mém aura, v kolem, vevnitř, všude. Dans l'aïkidoï, dans la dynamique relationnelle, c'est-à-dire la cinquième partie de l'étude grâce de l'humain grâce à l'aïkidoï, eh bien, ça c'est central. Ce processus naturel, on va essayer de le reproduire et de le tester. À deux, trois, peu importe le nombre de personnes. Alors, comment ça se passe? On va prendre ce qu'on... La planète sur laquelle nous sommes, la Terre, on va lui mettre un T, et le satellite qui agit, c'est la Lune, on va lui mettre un L. L, la Lune là, c'est la personne qui va créer le contact, c'est-à-dire simuler une sorte de conflit. Mais pas du tout comme on peut le constater usuellement. Avant, cette personne-là, elle est déjà en désir de pacification, d'auto-pacification. Elle a déjà travaillé avec Sideto. Elle est déjà dans ce processus d'attitude, de comportement. Elle approfondit les gestes et les actions. Elle va, par exemple, au lieu de mettre le poing, eh bien, elle va bien s'organiser, elle va aller mettre une main ouverte. Au lieu que les doigts arrivent ici, eh bien la main va passer sur l'axe ici, hop, créant les émotions automatiques qui arrivent lorsque cette ligne médiane antérieure est comment dire, stimulée. Et hop, la main va arriver ici et va dégager la gorge, c'est-à-dire la conscience. Vous voyez ? Avec les outils, eh bien, ça va être une projection d'outils très très précise, très rapide, et puis ça ne sera pas une agression. Elle va s'arrêter jusqu'il faut, mais à la bonne distance pour que l'autre ressente une émotion. Donc l'autre, la Lune, on va le faire en rouge, c'est contact lourd. Celui qui va au contact. Contact lourd. Une chose absolument nécessaire est que la Lune soit toujours en volonté et en concrétisation de rapport avec le centre de la Terre. Si la Lune reste comme une pierre sur son compte à soi, il va falloir que la Terre mette un petit mouvement pour la mettre en mouvement. Mais dans ce mouvement, il faut que la Lune aille chercher le centre de la Terre. Sinon, ceci est rompu. Alors, il n'y a plus ce jeu. Alors, ça veut dire que ce personnage ne joue pas le jeu. Il est dans un autre plan. S'il est dans un autre plan, il n'est plus dans un plan de relation. Il est déjà dans un plan de séparation. S'il y a un plan de séparation, il n'y a rien qui se passe. Sauf que les corps se séparent. Donc ça n'a pas de sens. Seulement a un sens le rôle d'ici, lorsqu'il a le rôle de la Lune. Il
Il va vers le centre de la Terre, et la Terre le maintient à distance. Et par sa rotation, on emmène le reste. Et par sa rotation, etc. Il y a ce jeu qui se fait. Si là, il n'y a pas ce jeu-là, tout ça est impossible. Donc, c'est là qu'on sort vraiment de la martialité. C'est nécessaire qu'il y ait vraiment ce jeu-là. Donc, le rôle le plus important, finalement, quel est-il quand on doit réaliser tout ça? C'est celui-là le rôle, pardon, celui-là le rôle le plus important. Et qu'est-ce qu'on voit en dominant? Toujours, c'est celui-là le rôle le plus important. Et pourquoi on voit le rôle le plus important ici? Parce que le problème de l'ego, il n'a même pas été entrevu. Alors, on célèbre ce rôle-là. Ouais. Non, c'est celui-là qui fournit vraiment son travail. Alors, lui peut travailler. Et tout peut se réaliser parce que celui-là, il va être tout le temps présent, comme je vous l'ai décrit. Les deux peuvent travailler ensemble. Sinon, ça ne marche pas. C'est un processus de domination. Pardon. Un processus de domination, même si c'est inconscient. C'est un processus de domination. Même avec des belles paroles, de paix, tout ce que vous voulez, c'est un processus de domination. Voilà. Donc, soyez bien attentifs. C'est le rôle... Pardon. C'est le rôle le plus important... Apprenez à le vivre, à le construire, vous constaterez ce que ça engendrera chez vous comme évolution de comportement. Ça ira même jusqu'à la manière de penser, parce que vous serez de plus en plus dans un processus que j'appelle naturel du processus des échanges dans les phénomènes sur Terre. Donc c'est essentiel. Mettez ça en œuvre. Expérimentez-le. Plus vous émettrez ça en œuvre, plus vous allez aider la Terre. Et plus la Terre vous aidera. Les deux sont interdépendants, interagissants. Une des lois, dans des moments qui changent tout le temps, l'impermanence. Deuxième des lois, la conséquence qui est créée, troisième loi, le karma, est complètement différent. Puisque c'est pas simplement ce jeu sans ego. De spirale verticale, descendante, ascendante, et de spirale, on va dire, horizontale, qui va se passer des déséquilibres, sans volonté de mettre vers le sol, naturellement. Et là, la cause, c'est-à-dire tout ce qui est mis en œuvre, vraiment des deux, va créer une conséquence non égotique, et vécue comme telle. Donc là, petit à petit, on va être débarrassé de toutes nos pulsions de domination ou de soumission. Soumission qui peuvent être un confort, parce que c'est nos caractéristiques, par exemple. Ou domination qui sera un confort, parce que c'est nos caractéristiques. Mais on n'en a pas forcément conscience. Et là, on quitte ce plan-là complètement. On en crée un nouveau. Donc, la dynamique relationnelle... passe nécessairement, obligatoirement, par ces deux rôles, par cette cinétique. Vous voyez, c'est souple. Non, j'ai pas plus volume, plus chine. C'est souple et puissant. Là. Ah, par exemple, c'est un peu. Créer des vraies relations.
vytváří opravdový vztah. Avec l'autre. S druhým. Construit un projet. Vytváří nějaký, něco vytváří. Ne pas être prisonnier. A není uvězněn.